Vous avez vu ça? Ça, c'est vert. Alors, il paraît que du vert, il n'y en a pas en Bolivie. Je vous jure. J'ai appris ça ce matin en lisant les commentaires des débilos, des quatre débilos qui font des commentaires sous les vidéos du gros dégueulasse de Costa Rica, là, le personnage de Riser. On a affaire à des cracks. Hein. Alors, je vais vous apprendre que en Bolivie, il n'y a pas de bus vert. Ça n'existe pas. Nous a dit inspecteur gadget, je ne sais combien. Les compagnies se créent et ferment en permanence. Ça s'appelle des compagnies privées. Il y en a plein. Mais il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre en Bolivie, nous dit notre grand spécialiste. Ensuite, on a vu une espèce de bâtiment. Oh là là, un truc moderne. Ah, ben c'est forcément au Pérou. Ça, il n'y en a pas ailleurs qu'au Pérou, en Amérique latine. Ensuite. Ah, s'il dit qu'il est dans telle ville, c'est forcément qu'il est ailleurs. Etc., etc., etc. Les mecs, ils tiennent 2 jours là-dessus. Ça peut leur foutre. Bon, je sais que Keller Hals me cherche et qu'il communique avec le gros Sevestre. En général, deux nuls qui collaborent, ça donne un truc encore plus nul. Hein. Je serais lui, moi, j'engagerais à la place de Keller Hals plutôt que de s'occuper de ça. Parce qu'on a des infos, un détective pour suivre sa bonne femme, hein, qui n'est pas d'une fidélité remarquable. Bon, c'est leur histoire de couple. Je la comprends, cette femme, elle est jolie en plus. Alors, laissons ce tocard digne de. Ouais, c'est 6-10 ans, c'est ce que je dis. Je vous parlais cinéma, on va parler d'un chef-d'œuvre. Un film qui date de 1983, que j'ai découvert quand j'avais 18 ans. Je suis passé à côté la première fois que je l'ai vu, c'était pas le bon moment. Et puis il est repassé à la télévision un an après sur Canal. Puis là où ça passait 6 fois à l'époque, je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois. Et je suis retourné le voir un nombre incalculable de fois au cinéma. J'ai acheté le DVD, enfin d'abord la VHS, puis le DVD. Il s'agit de Fanny Alexandre. Film couvert de prix. Oscar et César du meilleur film étranger, des tas de prix dans des tas de festivals. Alors, à l'origine, c'est un film fait pour la télévision en 4 parties d'une durée totale de 5 h 45. Et la version allégée pour le cinéma fait 3 h 10, 3 h 15. Alors, ça se passe au début du siècle, donc en Suède, hein, pays d'Ingmar Bergman. Et c'est la première fois qu'en fait il fait ce qu'il appelle une saga familiale, où il va mettre énormément d'éléments biographiques dedans, puisqu'en fait il va y avoir une identification entre Ingmar Bergman et le jeune héros Alexandre. Donc soit une famille très connue, très riche, très populaire, alors c'est à la fois des comédiens, ils sont tous comédiens, le père dirige le théâtre, met en scène et joue. La maman est actrice, les enfants sont des petits rôles dans les pièces des parents, la grand-mère est actrice, enfin voilà. Et il possède donc le théâtre dans lequel toute cette magnifique ville va venir à Noël, puisque l'action se passe à Noël, assister à une pièce autour de la crèche de Noël. Et puis on va avoir, pendant une heure et quart, une séquence très longue, magnifique, de qu'est-ce que c'est qu'une famille heureuse à Noël, passant ensemble les fêtes de Noël avec non seulement la famille, mais également les maîtresses de certains hommes, qui sont pour beaucoup des servantes, toutes les gouvernantes, servantes, personnel de maison, qui sont très proches en fait de leur maître, c'est-à-dire que elles mangent à la cuisine, mais les maîtres viennent déjeuner, dîner avec eux, un petit peu, leur parler, ils s'entendent super bien. Il y a des personnages d'oncles. Alors, il y a un oncle pétomane qui va mourir de rire, qui fait beaucoup rire les enfants. C'est un film sur la beauté de l'enfance, le paradis perdu. Voilà, donc c'est une première heure éblouissante sur l'émerveillement d'une famille unie et heureuse, famille d'artistes à Noël en Suède au tout début du siècle. Et puis, drame au bout d'une heure et quart, à peu près 1 h 30, c'est-à-dire à peu près à la moitié du film cinéma. Le père tombe malade, a une très courte agonie, puis meurt.
aura une séquence bouleversante où on verra le petit Alexandre forcé de rentrer dans la chambre où le père est à l'article de la mort, et le petit garçon, qui a une peur terrible de la mort, ira se planquer dans un coin de la pièce sans vouloir toucher son propre papa. Cérémonie funèbre dans la ville, on balade le cercueil, toute la ville est derrière sa famille de vedettes du théâtre. Et puis lors de la cérémonie, la maman fait connaissance de celui qui va faire la cérémonie funèbre, c'est un évêque d'un genre tout à fait reptilien, un vrai serpent, il s'appelle Vergérus. Il vit dans un monastère austère, c'est-à-dire l'inverse de la maison familiale du début, avec sa mère et ses sœurs. Sa mère est une espèce de grosse baleine de mémoire qui vit malade et alitée dans sa chambre. Elle est énorme et elle est malade. Donc cet évêque va séduire puis finir par épouser la maman de Fanny Alexandre, puisque Fanny, c'est une petite fille, c'est la petite, elle est blonde, elle doit avoir 5 ans, 4-5 ans, et Alexandre doit avoir 7-8 ans. C'est le petit garçon aîné, et c'est lui le double d'Ingmar Bergman. Ça, on va le comprendre, quand il va rassembler les enfants lors de la fête de Noël, il va tous les ramener dans sa chambre, et il a un petit projecteur d'ombre, un théâtre d'ombre. Et donc, on voit le jeune cinéaste, en fait, en herbe, qui nous est présenté, cette magnifique séquence très onirique et très poétique. Donc les enfants vont passer du paradis à l'enfer, c'est-à-dire dans un univers concentrationnaire, régi par les dogmes, par les règles, par les obligations, par les ordres donnés par cet évêque et ses deux vipères de frangine. Et le but qu'il va vouloir, c'est asservir Alexandre, c'est-à-dire faire tuer l'enfant et donc l'artiste en lui. Et Alexandre va résister, il va se faire littéralement saliser, c'est-à-dire frapper jusqu'au sang, parce qu'il le regarde, l'évêque, avec un regard que l'autre estime être insolent. Et puis, parce que l'imagination est la reine dans le monde, et que nos rêves sont plus grands que la réalité, surtout quand on est enfant, les deux enfants vont parvenir à faire apparaître. Alors, est-ce que c'est le cinéaste? Est-ce que ce sont les personnages des enfants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la fiction? En tout cas, ça nous est montré au premier degré comme étant de la réalité. Le merveilleux amant de leur grand-mère, qui est l'oncle Jacob. Le Jacob, donc, qui vit vraiment dans ce qui s'appelle une tradition yiddish, et qui tient comme une espèce d'immense théâtre de marionnettes sur plusieurs niveaux, dans une espèce de Capharnaüm, avec un dédale, des couloirs, des étages et une cave. Et donc l'oncle Jacob va venir muni d'une immense malle dans le presbytère de l'évêque, et très mystérieusement, il va faire disparaître les enfants depuis sa malle, et les enfants vont pouvoir sortir enfin de ce presbytère sclérosant. S'en rendant compte, l'évêque va tout de suite, devenir presque fou, et il va sur le lit conjugal, à côté d'une femme qui maintenant se refuse complètement à lui et qui a compris à qui il avait affaire, il va perdre la vue. Et il va à un moment prononcer une phrase qui est absolument exceptionnelle, qui est que en fait, son masque est tellement enfoncé profondément sur son visage qu'il serait incapable de l'enlever à moins de s'arracher la peau. Ça veut dire que l'évêque se confond complètement maintenant avec son rôle, et qu'il est possédé et qu'il ne peut plus faire machine en arrière, c'est ça que ça veut dire. Et on sent la souffrance également de ce personnage que, certes, Bergman, qui n'était vraiment pas un cléricaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, déteste, mais en même temps à qui il laisse quand même ce qu'on appelle une possibilité de rédemption. C'est-à-dire que dans cet aveu, l'évêque, pour la première et dernière fois du film, montrera sa part humaine, sa souffrance. On va retrouver le petit Alexandre chez oncle Jacob de nuit, se réveiller en plein milieu de la nuit, être attiré par comme une espèce de... c'est une danse d'esprit qui va l'attirer dans une grande pièce
où il veut voir surgir une immense marionnette représentant un dieu marionnette, qui va finalement s'écrouler sur lui-même. Donc en fait, cette marionnette qui s'écroule, c'est le dieu de Vergérus, c'est-à-dire un faux dieu. D'accord? Une fois qu'il aura fait ça, il va rencontrer celui qui tenait les ficelles de la marionnette, qui va lui dire, viens, il y a à la cave un personnage qui a quelque chose à te dire. Et ce personnage, c'est un ange androgyne qui se prénomme Ismaël et qui est montré derrière un grillage de prison, comme s'il était enfermé dans une cellule. Petit Alexandre va rentrer dans la cellule de cet androgyne qui va lui dire qu'avec le pouvoir de sa pensée, il a la capacité à mettre le feu à l'évêque et au presbytère. C'est-à-dire qu'en clair, ce que lui dit cet ange, c'est ton imagination d'artiste a une prise directe sur le réel. Si tu désires détruire par l'imaginaire l'évêque, alors l'évêque meurt, il n'existe plus. Évidemment, à comprendre sur le plan symbolique, puisqu'on a affaire à un ange. Un ange ne peut pas vouloir la mort d'un homme, fût-il un vrai démon. Et donc, on va voir symboliquement l'évêque s'enflammer. Ça va d'abord commencer par la lampe de la chambre de sa mère, que sa mère va laisser tomber sur son propre lit. La mère va devenir une torche humaine. La mère torche humaine va sortir dans le couloir, en dehors de sa chambre, et va mettre le feu au presbytère, et donc l'évêque sera calciné. Retour au point de départ à la fin du film. Les enfants ont rejoint la maison initiale de la grand-mère, et donc se retrouvent autour d'un banquet familial qui a lieu à l'heure du déjeuner. Voilà l'histoire magnifique, hein, de ce Fanny Alexandre, qui est un. Probablement la première, une des premières et dernières incursions de Bergman, qui est un cinéaste complexe quand même, qui est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma, dans ce qu'on pourrait appeler un film populaire, c'est-à-dire un film qui est fait pour être regardé par un public assez large, y compris par des enfants. Ce qui fut le cas d'une certaine façon, c'est un film qui rencontra, on va dire, un succès d'estime, c'est pas Les Aventuriers de l'Arche Perdue, on est d'accord. C'est très loin, en tout cas, des œuvres dites sombres et psychanalytiques et complexes de Bergman, qui est quand même un cinéaste qui s'intéresse, on va dire, il y a deux thématiques principales. Il y a d'abord la complexité féminine dans toutes ces maladies psychiques, psychologiques, ces frustrations, sa psyché, sa souffrance, son rapport à son propre corps, par rapport à la menstruation, par rapport à la maladie, pensons à cri chuchotement, par rapport à l'arrivée de la mort, par rapport à l'absence de désir d'un homme, donc des femmes qui vivent sans amour, enfin, voilà, autour de la figure féminine. Et puis un deuxième volet qui est, tout en étant très anticléricaliste, tout un volet autour de ce qu'on peut appeler la question dite mystique. Voilà les deux grands thèmes en fait qu'on va retrouvés dans l'œuvre de Bergman, et on les retrouve un peu en filigrane dans Fanny Alexandre, même si elle ne constitue pas le corpus même de ce dont parle le film, qui est un film beaucoup plus abordable en fait que l'ensemble des 50 et quelques films de cet immense cinéaste portraitiste de l'âme humaine dans ses dimensions les plus complexes, et les plus subtiles et les plus douloureuses aussi. Voilà, c'est pour moi un film bouleversant, c'est comme une autobiographie romanesque de la vie même de Bergman, qui fut lui-même confronté à des prêtres qui essayèrent d'étouffer sa créativité quand il était enfant, ça s'appelle un système d'éducation catholique, et qui nous parle énormément en fait de ce qui va être l'origine en fait de ces grandes thématiques, hein, puisque on va les retrouver là dans Fanny et Alexandre, on va dire filmé et appréhendé à hauteur d'enfant. Il y a une innocence en fait dans Fanny et Alexandre qui correspond en fait à l'âge réel de son principal personnage, qui est un petit garçon pour qui le réel et ses rêves se confondent dans le monde de l'enfance, surtout dans les 7 premières années. Le rêve, c'est-à-dire le théâtre, aussi, est beaucoup plus réel que le réel.
C'est après, en fait, qu'on est confronté à ça. Voilà donc Fanny Alexandre, si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir sur DVD ou en téléchargement, je vous recommande. Je préfère la version longue qui est beaucoup plus riche et qui semble d'une certaine façon moins longue parce que il y a des petits trous quoi, dans l'autre qui font que parfois quand il manque quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a une longueur. Alors que quand c'est continu, non. Sublime, c'est pour moi mon film préféré de tout temps et de tout lieu et de toute époque confondue. À bientôt.